par ici. Allez, Sully, aide-moi à ouvrir. Pas de trésor, sérieux? Ah, mais quelle vie de merde! Parce que je le mérite au moins le trésor là. Ok. Bon, par où on va? Je suis pas sûr. Faudrait essayer de descendre. Pardon, les effets de lumière sont pas dégueulasses. Hé, hey, Matza. C'est quoi ce délire? C'est un homme de Talbot. C'était. Mais c'est impossible, ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en sais rien du tout, mais j'aime foutrement pas ça. Tu m'étonnes. Putain, on dirait qu'il est déjà. On dirait qu'il est décomposé, tu vois. Ça fait plaisir. Hé, hey, les dalles s'enfoncent quand tu marches dessus. Ah oui! Je vais rester ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bonne idée. Oui, 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 ça je me rappelle, c'est une énigme encore. Oui, voilà. Donc, 4, 3, 4. Laurence mentionne ça dans ses notes? Je vais voir. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. Merde. Puis, il me faut 3 croix. Un, deux, trois. Trois, U. Ouais, un. Deux. Quoi, j'ai foiré? Fous de moi. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3. Mais. Ah punaise! Oui, je me suis mélangé les pinceaux dans les symboles. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 1. 2 3 Merde. 1 2 3 4 1 2 3 J'ai marché sur la... Oh. 1 2 3 4 1, 2, 3. Il en faut combien comme ça? 4. 1, 2, 3, 4. Deux, trois. Une, deux. Et trois comme ça. Une, deux. Et voilà. C'est ça. Bravo. J'ai voulu forcer trop dans ce que je voulais. J'ai pas voulu écouter le jeu. On voit rien ici. Tu nous éclaires? Ok. On dirait un genre de laboratoire, non? Ouais, ce truc doit avoir au moins 400 ans. Hé, hey, plus de lumière, Sully. Bien joué. Allez, Sully, bouge ton vieux cul, fais quelque chose.
laboratoire d'alchimiste. Attends un peu. Ce lieu te rappelle pas quelque chose? Ouais, la planque sordide de Marlowe, maintenant que tu le dis. Sully. Sully, c'est le labo de John Dee. Aussi loin que ça, en France. Il a dû remonter jusqu'aux croisades, grâce aux indices, comme Laurence. Hé, regarde. C'est encore du sabéen. C'est quoi ces symboles? On dirait qu'il cherchait une solution. Il y a une sorte de message écrit ici, en énochien. D'accord. Il y a une langue dont tu parles pas, Nathan? Mais ça, il faut avouer quand même, Nathan, c'est... Je vais voir. Le mec, c'est un putain d'Einstein, quand même. L'hôtel garde l'entrée des enfers. Eh bien, il conjurait les esprits grâce à la magie. Ouais, à moins que l'hôtel cache un passage secret. Ah. Bien. Aide-moi à pousser. C'est, ça, c'est un peu dommage, parce que ça, c'est un truc du gameplay que je trouve qu'ils auraient peut-être dû faire. Le décodage nous faire faire. Regarde un peu ça. Ça, ça aurait peut-être des putains d'énigmes, ça, quand même. Merci bien. Pas toi, John Dee. Oh. Je pense vraiment que ça, ils auraient dû le faire en jeu, ça. Et voilà. Pas tout ça automatique. Éclaire-moi. C'est bien mieux. Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes. De quoi tu parles? Je travaille encore une bonne séance pour les arachnophobes ici. Wow. Il voulait empêcher un truc de rentrer. Ou de sortir. Hé, hey, viens m'aider. Je l'ai. Et voilà. C'est la crypte familiale. Pas de Godefroy doit être par ici, non? Faut espérer. S'il avait des infos sur l'Atlantis des Sables, il est mort avec. On va essayer de trouver la tombe. Exactement. Ah oui, oui, ça y est, ça me revient. Voyons. On dirait qu'il essayait de résoudre l'énigme sans y arriver. Là, je me rappelle bien, oui, c'est ça, c'est un animal par chaque truc. Ouais, si je me rappelle bien, donc l'oiseau. Médiéval. Plutôt élaboré. Ouais. Tu trouves? On dirait qu'il est dans aucune de ces cryptes. Non. Sa tombe doit être cachée. Cherche encore. Donc, il y a ce symbole-là en dessous de l'oiseau. Il doit être, l'oiseau doit être tout en haut, à mon avis. Ok, c'est ça pour l'oiseau, ok. Euh...
de haine. Ouais. Et une espèce de 8. Ouais, l'oiseau est bien. Le lion. Ok. Le lion en dessous, normalement, c'est ça. Ok. Il doit y avoir un symbole comme ça à écouter. Et deux fois le même. Voilà, le lion est bien. Le cheval. Là. Donc le dernier qui me manque. Mais reste là, connard. C'est celui-là. Et celui-là, il est cassé. Test. Ah, attendez, attendez, je vais tester un truc. Ah, il m'en manque un seul, quoi. Attends, tout le long. Ça, c'est l'oiseau. Ok. Ça, c'est le bas.
Ouais, il doit aller dans le coin. C'est bon. Bien joué, petit. Ça fait envie. Bon, je vais être honnête, hein, et vraiment, je vais être très honnête. Je sais pas comment j'ai fait. Je croyais qu'il fallait le mettre sur le sablier en haut à gauche, mais visiblement non. Fais attention. Seigneur Godefroy, je présume. Le seul et l'unique. Là, ça a été fait totalement random. Ça y est, tu peux me tenir ça? Ouais. Regarde, c'est une sorte d'amulette. Il y a un truc décrit. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein? C'est un texte sabéen. Ça doit provenir de l'ancien Yémen, non? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. Ce serait le nom d'une cité? Ouais, il y a 3000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en Syrie. Ouais, et que Cutter et Chloé la trouveront. Faut se grouiller. En tout cas, merci pour ton aide, vieux. Hein. Gros, gros merci. Je vous le déconseille. Merde. Bon travail, monsieur. Merci. Harris, veuillez soulager monsieur Drake de son artefact. Ouais, Harris. Essayez. Cette bague vaut pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Votre torche est en train de s'éteindre. Je vous souhaite bonne chance. Quelle ordure. C'est clair. Bien. Il faut qu'on sorte d'ici et vite. T'éloigne pas. Je peux avoir une torche. Ma torche va s'éteindre. Il faut qu'on dégage de là. Attends, par là. Allez, allez! Viens m'aider. Viens, par là! Courez! Ah, y en a partout! Ah, merde! Faut y aller là! Vite! Vite! Allez! Oh la vache, oh les dégâts qu'elle met, les dégâts qu'elle met. Celui vient, allez. Ah, il y en a partout. Ah, bon, c'est de merde. Faut y aller là, vite. Vite, allez. Nom de Dieu, elle passe par le plafond. Allez, cours! La vache, elles sont rapides! Ah, l'avantage d'avoir Weepad, j'ai envie de dire. Allez, allez.
Oh merde, 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 je suis mort. Par là. Je te tiens. Saute. Enlève-la. Merde. Bon, t'en as plus. Hein? Et moi? Tends-toi. T'as rien. Oh. Pourquoi? Sapato, je me piche pas, pourquoi elle ne me suive pas? On y retourne. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'elles auraient peur de la lumière du soleil? Mais ça me paraîtrait chelou quand même. Non, on passe pas par là. Passe par où tu veux, à condition que tu me promettes qu'il n'y ait plus l'araignée. Tu m'en demandes beaucoup là, mon grand. Bon, on doit trouver un moyen de sortir. Ah, la pointe, ça va pas. Ok. Je vais voir si on peut traverser. Attention à toi. C'est bon, je l'ai. Oh non. Attention, Nate. Ça devrait le faire. Je sais, je sais. Ça va marcher. Comme sur des roulettes. Maintenant, il faut qu'on descende. Oh, attends, attends. Chut. Faites un feu de joie. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Réduisez tout ensemble. Oh non. Ce n'est, faut mettre les voiles. Oh. Voilà, tu enlèverais mes problèmes, moi. À grand coup d'explosif. Ah, c'est scripté. Ouvre-moi tout ça. Non. Ah, oh merde, ça craint. Ils sont piégés. Élimine-le, celui. C'est bon, on les a eus. Allez. Oh mon Dieu, aidez-moi. Pas moi ça. Tiens bon, celui. Mais non, pas chez moi, je fous de le feu à un endroit aussi sympa. Le sacrifice d'un vieil homme. Non, c'est pas ça. On est coincé. On doit pouvoir sortir. Ah, c'est une grenade aussi. C'est un trésor, bordel de merde. Merde.
Oh putain, il était dans mon dos. J'avais pas compris, je croyais que ça venait de face. C'est pas grave. Marouflard. Allez, il faut foutre le camp d'ici. Bonne idée. Hey, ouais, ça va. Je suis dans la merde, mais ça va. Je retourne de l'autre côté. Ah ouais, de... Nickel. J'y serai. Fais attention. Burn, baby, burn. Les têtes dures. Allez, par là on peut plus passer. Non, on est dans la merde. En fait. C'est sérieux. Soleil, je suis bloqué, aide-moi. Les voilà. À terre. Te voilà. Merci. Allons-y. C'est pas sérieux. Allez, il a vraiment la guigne à notre André, qu'un abusé. Allez,
Vite, Sully, aide-moi. Ça me paraît risqué de passer par là. Hey, là-haut. Quoi? Où ça, là-haut? Ah, ok. J'ai vu. Par contre, sinon, un autre truc que je tiens à souligner, les musiques de jeu sont assez sympas. C'est pas non plus exceptionnel au point que ce soit mémorable, mais on peut noter quand même qu'il y a un petit effort sympa. Allez, c''est lui. Ah, merveilleux. Vive le patrimoine français. Tu crois? Tu crois vraiment? Oh ouais, super. Bien. Donne-moi une seconde. T'as tendance à oublier que j'ai 25 ans de plus que toi. Allez, Sully, t'es fort comme un turc. Bref. Donc il pense, a au moins 50 ans. Il pense qu'on est dedans. Ça a failli. Il faut que je te dise. C'est un peu flou dans ma tête. Tu peux me rappeler ce qu'on fait ici, déjà? Grosse richesse. Si c'est un de tes discours moralisateurs, merci bien. Nate, ces types sont pas là pour plaisanter. Et alors? Hein? Me dis pas que tu veux baisser les bras. Mais j'ai jamais dit que j'allais baisser les bras. Alors arrête de parler comme un perdant, d'accord? Écoute. Ça fait 20 ans que j'assure tes arrières. Il est pas question que je t'abandonne. Qu'est-ce que tu crois? Ah, donc, Nathan, au minimum 30 ans. Bonne raison de faire tout ça. Là, c'est ta fierté qui te dicte ta conduite. Tu prends trop de risques. Et c'est pas ce que je t'ai appris. Tu vas te faire tuer. Ah, bon ça. Ah. Il va tous nous faire tuer. Oh non. Quoi? Cutter et Chloé. Si on a été suivis... Merde, eux aussi ont été suivis. Faut qu'on les appelle. Ouais, et qu'on file en Syrie en vitesse. J'espère que tu te souviens où est la voiture, parce que je suis complètement paumé. Syrie, la nuit suivante. Bon sang, j'arrive toujours pas à les joindre. Quelque chose tourne vraiment pas rond.
Quand est-ce que ça ouvre ici? Il ne reste que quelques heures avant que les cars de touristes pointent. Va falloir faire vite. La chaîne est coupée. D'accord. Au moins, on sait qu'on n'est pas les premiers. Aussi longtemps que Marlowe et Talbot nous croient morts, on a l'effet de surprise. Faut pas le gâcher. Ouais. Donc, ouais, on va pas le gâcher. On trouve où ils retiennent Chloé et Cutter. Si, ils sont vivants. Toujours aussi optimiste. Je dis juste que ces gars ont pas l'air du genre à prendre des otages. On va essayer de rester positif pour le moment, d'accord? On sauve Cutter et Chloé, et une fois tous les quatre, on sort discrètement. Oui, bien sûr. On sort discrètement. C'est possible. Par contre, je dois avouer un truc. Les décors d'arrière-plan comme ceux-là, ils sont sales. Ils sont très sales. Parce que regardez ça, toi. C'est totalement disproportionné déjà là. Bon, après, vous me direz, on était en hauteur et là aussi, donc la superficie, mais. Les textures sont immondes, quoi. Ça, par contre, c'est vraiment dommage pour le coup. On passera pas par là. C'est fermé. Allez, par là. Va jeter un œil. Je t'attends. Bon, bouge pas. Pour te remettre tes émotions d'hier, Sully. Voyons. Je vis ça tous les jours, okay, moi. Sully, c'est bon. Monte. Je vais grimper et faire le tour. Je te dirai si c'est bon. Ok. Pas de trésor là, je suis très triste. Pourtant c'est con hein, parce que ils essaient quand même d'avoir une cohérence dans leur truc hein. Parce que là t'as la ville, ou le bidonville comme tu préfères hein. Et t'as un parking. Ils ont quand même eu une notion de certains détails. Tout va bien. Donc on peut vraiment dire que c'est vraiment une notion sur la finesse qui leur manque. Mais j'ai eu chaud. Le peaufinement de certains points. Ouais, attendez. Attendez. J'espère au moins que ça mène. Oh! Jolie étoile filante. Ok, là c'est là d'où on vient. Ça sert à quoi d'aller par là? Ça ne sert à rien, ok. Je vois bien celui, mais Nathan, mais qu'est-ce que tu branles, bordel de merde? On est pressé par le temps, on a deux peut-être personnes à sauver, et toi tu fais le mariage sur le pont. Et tu es totalement con, Nathan.
Oui, je fais très bien votre soli, je sais, je vous emmerde. Ok. Rien d'autre. Là, il n'y a rien non plus, ok. Le jeu, il est pas très gentil quand même. J'essaie tes trucs et tout, en me disant, ah, peut-être que là... Et merde, là, il me dit merde. Déjà. J'avais bien besoin de ça. Merde! Butez-le! Non, 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 non. Ah merde. Dégagez. Non, 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 non. Ça va sauter. Ah bah quel con. Bon c'est pas longtemps que j'avais fait comme un porc. Ah merde. Déjà. J'avais bien besoin de ça. Quoi? Vous voyez, tout là dans la description et la finesse, les enfants. Je crois qu'ils sont tous morts. Ah non. Où qui est le méchant affreux? Putain, je te vois, mon salaud. Il est quelque part dans le coin. Ah, il se fout de ma gueule ? Ah bien ce flingue. Ah ça c'est à moi. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu foutais? La routine. Je tuais plein de gens. Allez, viens m'aider. Viens, par ici. Faut qu'on se bouge le cul. Faut qu'on se bouge le cul. J'ai rien branlé de la journée, mais ouais.
Ah, c'est joli ça. Ça pue la reine. CD, par ici. Bon retour. Oh, c'est à moi ça. Pièce de croisée, ça fait plaisir. Oh, et puis merde. J'ai dit merde. D'accord. C'était pas ça l'idée. Je crois que c'était assez profond. Hey, jette un œil. Fais-moi descendre. Du nouveau en bas. Ok, une seconde. Je vais voir. C'était aussi con que ça, ok. Putain, les mecs qui regardent le stream qui déjouent le parquet de se foutre de ma gueule quand même. Oh bonjour. Comme je les ai gérés là. Ah, c'était propre. Ah, je suis fier de moi là pour le coup. Oh, vase en émail et cuivre. Cool. Ça va faire très beau pour mamie. Recule, je vais tirer. Ah, ah merde, allez. Sully, aide-moi. Ce serait bien qu'un jour l'un d'entre vous apprenne à rejeter les serrures au lieu de toujours les dégommer. Chloé et Cutter ont peut-être des ennuis. Question de discrétion, hein. Rien non plus là. Pff, quel jeu de merde. Ah mais c'est de là d'où vient ce lit. Moi je viens de par là si ma mémoire est bonne. Oh attendez, c'est quoi ça? C'était ici que les croisés venaient faire caca. Eh hey, salut. Vous êtes pas en France? On vient vous sauver. De quoi? Croyez piégé. Ouais, ou pire. Pourquoi? Talbot nous attendait au château, c'était un piège. Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi. Ouais, je confirme, ils sont ici. Sans blague. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre. Ah, ouais, j'avais plus de forfait. Tu utilises des cartes prépayées ? Bah, pas le choix, t'as vu le prix de ces trucs ? Quoi ? Le mien est mort. Encore ? Ouais, bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert. Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Les services secrets occultes anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'aube dorée, ils sont tous connectés. Alors John Dee... Et Francis en fait, Sagam et Walter Raleigh et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. Le but c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Hey, attends. Alors Marlowe et ses sbires sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît. Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais, ouais. Tiens, regarde. Quod est superius. Est sicut, quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. Il faut monter au sommet du château. D'où les escaliers. Bien joué. Il y a des cons quand même, hein. On devrait pouvoir accéder aux cryptes avec cet indice. L'entrée doit être cachée quelque part ici.